Bonjour. Vous avez décidé de suivre cette séance. Cela signifie que vous avez pris la décision ferme d'arrêter de fumer. Et pour cela, d'ores et déjà, je vous félicite, car vous êtes déjà sur la voie de la réussite. Maintenant, installez-vous confortablement. Allongé ou semi-allongé, les jambes décroisées. Dans un environnement tranquille, le téléphone en silencieux, relaxé. Selon la réceptivité des personnes, l'hypnose peut avoir un effet très puissant. C'est pourquoi il est important d'être bien calé ou allongé afin de pouvoir vous décontracter profondément, en toute sécurité. Prenez votre temps, détendu. Les yeux fermés. Si vous avez choisi de faire cette séance d'hypnose, c'est pour être dégoûté de la cigarette et c'est que vous souhaitez un accompagnement afin d'arrêter de fumer définitivement. La thérapie par l'hypnose propose des méthodes variées et très efficaces qui vous permettront d'y parvenir rapidement. À chaque fois que vous écouterez cette séance, cela renforcera son effet. Il est donc judicieux de le faire une fois par jour, durant plusieurs jours, pour bien vous en imprégner profondément. Il est important de comprendre le rôle des cigarettiers et des acteurs en général de l'industrie du tabac. Ce sont des marionnettistes invisibles dont vous allez dès maintenant et profondément vous émanciper. Je vais vous aider en vous guidant à vous libérer facilement de leur influence, de leur emprise, de leurs idées, en coupant les fils qui leur permettent de vous manipuler et en activant les bons leviers dans votre esprit. Ces gens usent d'une ingéniosité débordante afin d'ancrer dans l'inconscient de la population une image positive de quelque chose qui n'est en réalité pas positif, mais bien nocif, le tabagisme. Ils entretiennent ainsi leur commerce florissant en payant très cher pour placer, par exemple, des cigarettes dans les films à succès ou les séries, en entretenant le doute sur la nocivité des cigarettes, grâce à des articles de journaux ou des interventions télévisuelles ambiguës qui sèment le doute dans la population, dans l'esprit des gens. Ils ont également d'autres stratégies marketing redoutablement efficaces. Ils ciblent tout particulièrement les jeunes, les plus vulnérables, les personnes fragiles, les plus influençables. Il s'agit en fait d'un véritable conditionnement. Prenez-en conscience maintenant. Profondément. Conscience des influences que vous avez subies. Imprégnez-vous de cette sensation. Vous êtes victime. Les fumeurs sont des victimes, et uniquement des victimes. Comprenez-le bien. Il faut voir le marionnettiste pour pouvoir s'en défendre et voir ses fils pour pouvoir les couper. Comme beaucoup de gens, vous avez été abusé sous influence des publicitaires et d'une partie de votre entourage, involontairement complice, répétant un discours déjà entendu maintes fois, que vous aurez intégré, jeune, vous n'y êtes pour rien. Il serait inutile de culpabiliser. Je vais claquer des doigts pour vous libérer de toute culpabilité. Vous ne vous sentez plus responsable, vous avez compris. Vous prenez conscience qu'on vous a menti, qu'on a abusé de votre confiance à des fins commerciales, qu'on a utilisé votre faiblesse. Alors que vous étiez naïf ou fragile ou jeune, sinon, il est bien évident que vous n'auriez jamais commencé. Prenez bien conscience de cette évidence. Vous n'auriez jamais commencé sans toutes ces influences extérieures, ces pressions. C'est évident. Continuez à le ressentir, comprenez-le. Ressentez-le. Bravo, vous êtes sur la bonne voie. Prenez tout votre temps, tranquillement. Comme tous les fumeurs, vous êtes victime d'un conditionnement profond.
Tu remontes à votre plus jeune âge, décontracté maintenant. Lorsque vous étiez trop jeune pour vous défendre contre les idées toxiques des cigarettiers, ce conditionnement, cette influence malveillante ayant pour but de créer une addiction chez vous, il va s'agir aujourd'hui de l'effacer, littéralement, profondément, comme on passe une éponge sur un tableau pour effacer une phrase, par exemple, purement et simplement. Et pour inscrire une défense, vous allez vous armer contre ces attaques, contre ces manipulations. Vous allez littéralement vous armer contre la cigarette, contre le tabagisme, contre les addictions. Et je vous félicite pour votre démarche. Pendant cette séance, c'est vous qui arpenterez le chemin, qui suivrez cette voie. Moi, je suis votre guide bienveillant. Je ne suis là que pour vous accompagner Purement et simplement. profondément, pour vous aider. Je suis votre guide bienveillant. Je vous demanderai simplement d'écouter ma voix et de vous laisser aller. Durant cette séance, vous allez entrer en transe et je vais produire un changement profond en vous. Cela vous permettra d'arrêter définitivement de fumer. À la fin de la séance, je compterai de 5 à 1 et vous vous réveillerez de transe, parfaitement bien, calme et serein, prêt à reprendre le cours normal de la journée, de bonne humeur, profondément. Rassurez-vous, vous n'avez absolument aucun effort à faire. Absolument aucun effort. Juste vous détendre. Si jamais une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait la laisser de côté pour ne garder que ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Laissez-vous aller. De la même manière, si jamais vous étiez interrompu pendant cette séance, vous retrouveriez instantanément toutes vos facultés afin de pouvoir réagir normalement, comme d'habitude. Ainsi, tout est parfaitement sécurisé. Vous êtes en parfaite sécurité, en totale confiance. Nous allons prendre trois respirations profondes en gonflant le ventre afin de se relaxer profondément. C'est maintenant. 1. Deux. Voilà, je vais compter de 1 à 5, et à chaque chiffre, vous vous détendrez de plus en plus. Vous allez vous relaxer intensément, en toute confiance et en toute sécurité. Une fois à 5, vous serez en transe, et quand je dirai le mot bascule, vous ressentirez une sensation de bien-être, une sensation de bascule, et vous plongerez profondément en vous-même, où vous ressentirez cet immense bien-être. Si votre esprit s'éloigne, c'est très bien. Si vos pensées s'évadent, s'envolent, c'est parfait. Laissez-les partir, laissez-les aller librement, aller, revenir. S'accrocher, se décrocher. Vos pensées peuvent partir à leur guise, librement. 1. Laissez-vous aller profondément en vous-même. Votre corps se relaxe profondément. Les yeux fermés. En douceur. Les mains retombent mollement. La bouche s'ouvre doucement. Profondément en vous-même. Vos dents donnent l'agréable sensation de s'écarter les unes des autres. C'est très relaxant, comme une tension qui disparaît soudain. C'est étonnant et pourtant vrai. Vous avez l'agréable sensation que votre cerveau lui-même se décontracte, se détend, se met en repos. Un repos bien mérité.
C'est vraiment, vraiment très, Très très, agréable, très très agréable, agréable, cette décontraction, très agréable. ce bien-être Bien-être. profond, Profondément, profondément, en vos mains, profondément, en vos mains. profondément. La respiration est calme et régulière, douce et régulière. Elle le sera pendant toute la séance, deux fois plus profondément maintenant. Vous vous relaxez. Vous pouvez vous laissez aller en vous-même, descendre en vous-même, profondément, comme si vous descendiez un escalier ou un escalator, un ascenseur ou encore un toboggan. C'est vous qui choisissez l'image que vous préférez. Vous êtes calme, les yeux fermés. Vous êtes bien. Vous plongez profondément. De plus en plus loin. Profondément. Vous êtes bien. Profondément. Détendu Profondément, 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 de plus en plus profondément en vous-même, vous descendez, vous plongez encore plus profondément. C'est tellement agréable, tellement doux, tellement bien. Laissez-vous aller, laissez-vous partir. L'esprit est deux fois plus détendu que le corps. Les pensées vont, viennent, tournent et virevoltent, elles se retournent et s'éparpillent. Librement, comme des bulles de savon partent dans le vent. Laissez-les faire. Trois. Deux fois plus profondément maintenant. Plus profondément en vous-même. Dans un bien-être intense, merveilleux. Dans le plus agréable des conforts. Vous approfondissez cet état confortable. L'esprit est deux fois plus détendu que le corps. Vous êtes si bien maintenant. Si relaxé. Tout est si doux. 4. Vous doublez votre relaxation maintenant. Vous doublez votre relaxation maintenant. Vous êtes si bien plongé en vous-même. Si détendu. C'est une expérience magique. Laissez-vous glisser en vous-même. Dans tout ce bien-être. Dans le bien-être le plus complet. Votre esprit est deux fois plus détendu que votre corps. Vous êtes bien. 5. 1000 fois plus profond maintenant. Vous êtes plongé profondément en vous-même, parfaitement relaxé. Là, il y a une porte. Elle mène à un endroit qui vous est familier, un lieu où vous vous sentez tellement bien, un lieu où vous êtes particulièrement bien. Le lieu qui est votre refuge, là où vous vous sentez en parfaite sécurité, en parfaite confiance. Ce lieu, vous allez entrer à l'intérieur. Ouvrez la porte, vous pouvez entrer maintenant. Bascule, vous êtes si bien maintenant. Si bien, tellement détendu. Profitez de tout ce bien-être. Le tableau mural que nous avons évoqué tout à l'heure, ce tableau d'école sur lequel on peut écrire des choses à la craie, profondément. Il y a une cigarette dessinée dessus. Visualisez cela clairement pour ensuite la faire disparaître. De votre esprit, définitivement. La faire disparaître de vos pensées, de vos idées, de votre esprit, de vos désirs aussi. Nettoyez ce tableau avec une éponge de votre imagination. Prenez cette éponge maintenant. Effacez-la littéralement, cette cigarette. Effacez-la pour supprimer toute attraction, tout besoin de fumer, pour détruire toute envie de vous approcher d'une cigarette. Profondément, effacez-la. Pour que le tableau soit de nouveau propre, effacez encore dans votre imagination, pour qu'il ne reste aucune trace. Plus vous effacez, plus cette sale habitude disparaît, plus elle disparaît de votre esprit. Utilisez la colère que vous avez contre la cigarette pour effacer encore et encore dans votre imagination. Vigoureusement, encore, maintenant, profondément. C'est très bien. Continuez. Nous allons ensemble remplacer cette attraction malsaine par une véritable répulsion. Une vraie répulsion. Un rejet de la cigarette. Un dégoût profond. La cigarette a le goût répugnant de ce que vous connaissez de plus dégoûtant. Un goût insupportable. L'odeur de la fumée vous révulse. Vous donne envie de vomir. C'est physique et instinctif. Rien que d'y penser, cela vous soulèverait l'estomac. Alors vous décidez de ne même plus y penser.
de faire disparaître, purement et simplement, cet élément repoussant de votre vie. Rien que toucher vos lèvres avec une cigarette vous donnerait envie de vomir profondément, un dégoût immense, insupportable. Alors, vous ne vous en approcherez même plus. Même l'image dans votre tête, même le mot génère un malaise. Vous ne pouvez même plus toucher une cigarette sans la jeter. Vos doigts ne supportent plus le contact physique. Vous risqueriez de ressentir comme une brûlure terrible si vous en touchiez une. Alors, ce n'est même pas la peine d'en prendre le risque. Oubliez même l'idée de la cigarette. Oubliez-la complètement. Imaginez que je pose une ventouse extrêmement puissante sur votre tête. À trois, je vais claquer des doigts et la retirer. Cela va aspirer, extraire définitivement de votre tête la moindre envie de fumer. Un, deux et trois. Voilà qui est fait. En cas de sensation de manque au début, vous trouverez en vous-même des ressources saines pour le surmonter, comme prendre quelques respirations profondes, par exemple, comme nous l'avons fait tout à l'heure, comme par exemple boire un verre d'eau, boire une infusion, ou toute autre solution bonne pour vous et qui ne présente cette fois pas de risque d'addiction. Vous êtes libéré, libéré profondément, avec joie, et c'est mon cadeau pour vous. C'est aussi un cadeau que vous vous faites à vous-même. À présent, visualisez votre corps, visualisez vous-même, tel que vous vous représentez. Peut-être que vous avez encore une cigarette à la main dans cette image. Visualisez vous-même bien, précisément, profondément. C'est très bien, comme cela, en détail. À présent, cette image que vous avez de vous-même, elle va évoluer. Cette image, cette projection de vous-même va jeter cette cigarette qu'elle a en main. Visualisez bien. Elle va le jeter et l'écraser. Et alors, cette image de vous-même va s'éloigner de la cigarette, lui tourner le dos définitivement et partir. Voyez votre nouvelle image de vous-même partir et s'éloigner, les mains agréablement libérées, la bouche libérée. Désormais, lorsque vous penserez à vous-même, lorsque vous visualiserez l'image de vous-même, lorsque vous vous projetterez mentalement, c'est désormais cette image sans cigarette, une image positive que vous verrez, une image agréable et valorisante de vous-même. C'est celle-là qui vous reviendra à l'esprit et vous en tirerez une véritable satisfaction, une joie profonde et une véritable fierté. C'est l'image d'un être fort et digne qui s'est libéré d'une emprise, qui s'est libéré d'une addiction. Enfin, dernière chose. Vous réécouterez, et c'est très important, plusieurs fois cette séance dans les jours à venir afin de renforcer son effet. Vous l'écouterez jour après jour jusqu'à ce que vous soyez vraiment libéré, profondément libéré. Et plus vous l'écouterez, plus son effet sera puissant. Vous vous ferez une joie d'écouter cette séance car c'est aussi un moment très agréable de relaxation, de décontraction. C'est un moment qui vous déstresse, qui vous fait du bien. Vous allez pouvoir vivre mieux en atteignant votre objectif. C'est votre cadeau à vous-même. Vous devenez non-fumeur. Vous devenez réellement non-fumeur. Accueillez cette nouvelle avec plaisir et gratitude. À présent, je vais compter de 5 à 1. Et vous allez très doucement sortir de cette transe. Sortir tout doucement de cette transe. Tranquillement, reprendre conscience dans le bien-être cotonneux de la transe. Et quand vous serez entièrement réveillé, vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez reposé, revigoré, énergique et libéré de la cigarette. En forme, comme après une courte sieste. Et vous vous souviendrez avoir passé un moment formidable, détendu, que vous aurez beaucoup de plaisir à réitérer. Je vais compter de 5 à 1 maintenant. 5. Vous reprenez doucement conscience de votre corps, paisiblement. Conscience de la sensation de l'air frais sur votre peau. Conscience des odeurs subtiles autour de vous. Conscience des petits bruits alentour. Vous vous sentez bien. Une forme de réveil s'amorce très tranquillement dans le bien-être. Reposez. 4. Vous percevez comme de la lumière au travers de vos paupières qui commence à bouger un peu. C'est comme vos doigts que vous commencez doucement à bouger. Tranquillement relaxé. 3. Votre conscience refait surface. Un peu comme au réveil le matin. Vous êtes bien. Vous commencez à avoir envie d'ouvrir les yeux tranquillement. Vous vous êtes ressourcé, en paix avec vous-même. Vous sentez que vous vous êtes offert un cadeau, une vraie chance de vivre mieux, de changer positivement
d'apprendre à lâcher prise vis-à-vis du tabac, d'apprendre à laisser la cigarette au loin grâce à cette séance. 2. Vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement, vous être remonté à la surface, entièrement maître de vous-même, pleinement conscient. Profitez encore des quelques instants de douceur et de bien-être, de relaxation, et lorsque je dirai 1 et que je claquerai des doigts, vous aurez entièrement repris conscience. Et vous pourrez tranquillement reprendre le cours normal de votre journée, revigoré, en forme, bien dans votre peau, conscient de vous être offert une vraie chance dans la vie, un moment de bien-être et une solution pour vous libérer du tabac. 1. Vous pouvez reprendre le cours de votre journée. À bientôt sur Hypnose gratuite.